bien que Billy revienne. Cet appareil me donne des frissons. J'espère que ça fonctionne. À quoi ça sert cette chose déjà? C'est pour générer une sorte de... C'est un générateur hydroatmosphérique de molécules qui analyse la teneur en eau et en gaz de notre air, afin de reconstituer la mémo qui existe sur Aquitar. Ah d'accord, et Billy a créé ça pour nos amis aquitariens qui doivent se réhydrater. Mes pauvres chéris. Ouais. Oh, mon Dieu, on se demande à quoi pensent les parents en laissant jouer des enfants de cet âge avec des appareils aussi dangereux. Allez, malheureux, rendez-vous compte que vous pourriez vous blesser. Il n'y a pas de risque, je vous assure. Oh, c'est toi qui le dis, mais je vois bien que je n'ai pas le choix. Devant l'importance de l'affaire, il m'appartient de prévenir les autorités. Hé hey, je vous avais pourtant dit de ne pas jouer avec mes instruments scientifiques. Excusez-les, madame. Je m'étais absentée et mes frères et sœurs ont la curiosité de la jeunesse. Bien sûr, et vous comprendrez que j'ai pu m'inquiéter. Cela va de soi. Je suis très touchée. Je supprime votre argent de poche si jamais vous recommencez. Mais quel argent de poche? Je disais ça pour la calmer. Et t'as trouvé ce que tu cherchais? Oui. Venez. Je comprends pas pourquoi on a besoin de tout ça puisque ça fonctionne. Ça n'était qu'un prototype pour essayer de reproduire le milieu aqueux d'Aquitar. Le dispositif définitif sera placé sur le lac pour adapter la composition de l'eau à la réhydratation des aquitariens. Alors si ça marche, ça leur permettra de rester sur notre planète et aussi de combattre avec nous le Seigneur Zed et Rita. Et même de nous en débarrasser pour toujours. Je l'espère. Pas question de rester les bras croisés. Je vais m'emparer du générateur de Billy, ce qui aura pour effet d'empêcher la réhydratation des aquitariens et de les renvoyer par cette habile manœuvre sur leur planète d'origine. Oh, c'est génial! Et voilà, ça devrait aller. Une fois l'appareil posé sur l'eau, le générateur moléculaire la rendra conforme aux besoins de ta race. Vous pourrez ainsi vous réhydrater. Je suis impressionné, Billy. Un travail d'expert qui mérite compliment. Cestro. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas? Je sens mes forces me quitter. Cela est dû à la déshydratation. Mon peuple et moi avons besoin de nous régénérer. Aïe, 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 aïe. Il faut nous hâter. Je te conseille de trouver un endroit isolé, Billy. Un endroit à l'abri de la curiosité des citoyens d'Angel Grove. La partie nord du lac est en général peu fréquentée. Avertis mes amis. Succulent, je peux en avoir une autre. Delphine, c'est la cinquième que tu manges. Mais ces esquimaux glacés ont un goût si délicieux que c'est difficile de s'en passer. Bon, ça suffit, je peux m'en aller maintenant. Oui, et merci encore, monsieur. Le stock est épuisé. Et on va voir ce qu'on va voir. Mais ces deux garçons là-bas, que vous appelez Bulk et Skull, je crois, que font-ils? Ils pêchent. Oh! Ben oui! Ça veut dire qu'ils essaient d'attraper des poissons. Mais pourquoi faire? Se nourrir. Oh, ils se nourrissent de poissons? Non! Tiens, ta garde plus serrée, comme moi! Regarde l'expert! Je t'avoue, Bulky, que j'ai toujours eu la trouille des poissons. Suppose qu'un piranha me tombe dessus pour me mordre, j'aurais bonne mine! Et dans les lacs, y en a pas! Et puis c'est super cool ici, on est tout seul! On est les rois du lac, alors profitons-en! T'as raison, on est les rois du lac! En tant qu'espèce vivant en milieu aquatique, nous ne saurions rester indifférents devant cette agression inadmissible de créatures sans défense. Bulky, je crois que j'ai une touche! Et tiens bon, Mouline, il faut pas qu'il se décroche! Je mouline! Mais je crois qu'il va se décrocher! On est les rois du lac, je te dis! On est les rois du lac! Ah,
du lac, t'as dit, hein? Ils viennent de prendre un bain auquel ils s'attendaient pas. Je sens que mon énergie disparaît. Enrico, ça ne va pas? On a besoin de notre eau. Très vite. Allons-y. On est prêt. Oh, ça se présente bien. Je vais leur réserver l'accueil qu'ils méritent. Écoutez-moi, les deux tarés. Vous partez en mission au pays du soleil. Super! J'adore vous faire bronzer les os. Silence! Rapportez-moi le générateur, sinon c'est en enfer que tes os vont bronzer. Les lacs chez vous sont magnifiques. Ils me rappellent un peu notre planète. J'étais encore jamais venue par ici. L'endroit est peu fréquenté, trop difficile d'accès. Quelle surprise! Alors, on se promène sur le lac? Vous avez apporté le pique-nique, j'espère. Non? Eh bien, tant pis. On se contentera du générateur. Cet appareil nous est indispensable. Vous nous envoyez désolé, mais notre patron le réclame. Et quand le patron donne un ordre, on exécute. Concentrons-nous, mes amis. Tiens bon la barre, ton vieux copain va te sortir de là. Venez, le temps presse. Il faut poser le générateur dans l'eau pour activer le processus. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à compter sur ces deux bouffons. Ce sont des incapables. Je devrais pourtant le savoir. Et les extraterrestres vont se réhydrater dans le lac. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Mais c'est bien sûr le lac. Oh, ma toute belle! Mais Zeddy, je te vois une lueur coquine dans l'œil! Oh non, il manquait plus que sa lueur coquine dans l'œil! Ne te méprends pas, Billy a conçu son appareil pour purifier l'eau des impuretés terriennes. Mais il a omis de prendre en compte nos pollutions lunaires! Je crois que j'ai compris où tu voulais en venir, c'est génial! Quand on aura empoisonné les eaux de nos déchets toxiques, ces bons samaritains galactiques seront mis en orbite pour toujours! Zeddy, c'est pas du mot de vent que t'as dans la tête, Je te l'accorde. Je t'avais pas épousé pour ton physique, hein? Alors, tu ne seras pas surprise si pour empoisonner le lac, je te dis que j'ai pensé faire appel aux frères Eric et Eric Barbaïd. C'est le phare cosmique que je connaisse et j'adore cette équipe, hein? Hurrah, les barbariques sont là. Ça va comme tu veux, Eric. On fait l'Amérique. Vous pouvez y aller, l'appareil est installé. Faites ce que vous avez à faire. Concentré toxique pour activer la circulation et se préparer au grand départ. Si mes calculs sont exacts, le lac répond aux critères de l'eau aquitarienne. Ça dépend des points de vue. Je perçois une anomalie. Une seconde, il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Mission accomplie. On est dans le flou, Ranger. Revoilà. C'est pas tellement conseillé de patauger dans cette mer quand les barbariques sont passés par là. On vous dit ça comme ça. Oh non, ils ont contaminé le lac. Vite, sortez vite de l'eau. Pas la peine de vous presser. C'est pas joli de les voir debout sur l'eau, hein? Ça me rappelle un truc que j'ai lu dans la Bible. Maintenant, le lac contient un poison qui va définitivement exterminer les rangers. Vous n'avez aucun moyen d'y échapper. Et qu'est-ce qu'on fait? On reste là ou on va casser une croûte? On reste. Faut s'assurer que les Power Rangers ne vont pas s'en sortir. Ça n'a pas l'air de vous faire rigoler. Oh, le temps passe. Ils n'en ont plus pour longtemps.
Kanto, laisse-les partir. Tu délires, ma jolie. Une fois que nos ondes toxiques auront anéanti les Aquitariens, les Power Rangers ne vont pas tarder à les suivre dans l'au-delà. Quand je les vois s'agiter comme dans un bocal, ça me donne des envies de les manger tout crus. Réserve ton appétit pour des plats plus consistants. Quand les Power Rangers seront éliminés, je lâcherai les barbariques à la conquête de l'univers. Quand on aura fait le vide, on ira casser la croûte. D'accord. Tu arrives à progresser, Alpha ? Aïe, 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 aïe. J'essaie de traverser le champ de force qui immobilise les Power Rangers aquitariens, mais il est trop puissant. Persévère dans l'effort. Si on ne parvient pas à les libérer, les barbariques du Seigneur Zed risquent de contaminer la ville et ses banlieues. Bien, il faut subtiliser le laser de Rito pour neutraliser le champ de force. J'ai une idée pour ça. Alors, c'est parti! Qui veut jouer à chat perché? D'accord, c'est toi le chat. Attrapez-moi si vous le pouvez. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bah, j'en suis rien, j'ai des trucs de terrain, j'y comprends rien. On joue à chat, et c'est moi le chat. C'est un jeu très amusant. Un jeu? J'aime tous les jeux. Attendez, je veux jouer. T'affole pas, Rito, c'est sûrement un piège. T'as gagné si tu m'attrapes. Attrape-moi si tu peux. Mais comment que je vais t'attraper? Attends, tu vas voir. J'ai gagné. Non, t'as perdu. Oh, c'est pas du jeu, ça. Eh bon, ici. Oui, mais mon laser. Ouais, ça marche. Oh, mais je te l'avais dit que c'était un piège. Regarde ce que tu as fait. Le Seigneur Zed va t'envoyer en orbite pour ça. J'espère que non. Je vais essayer de le retrouver. Ah bon? Oh bah, si toi aussi tu m'abandonnes, moi je suis trompé. Rita, je vais expédier un par un les os de ton frère au chenil d'Angel Grove. Alors tu t'obstines à t'acharner sur mon frère. Et pour cause. Désormais, on fera chambre à part. Oh, te fâche pas, ma douce. Après tout, il me reste les barbaries. Exact. Je vais leur donner l'ordre de mettre la ville à feu et à sang. Ça va mieux? On tiendra, Billy. Mais attends. Zordon essaie de nous joindre par télépathie. Ranger, les barbariques ont lancé une attaque sur Angel Grove. Êtes-vous en état de les affronter? On se charge des frères barbariques, Zordon. Mais vous êtes encore trop faible. Nous sommes des rangers, Tommy. Parés pour transmutation! Par la force des rangers d'Aquita! Il faut ménager notre énergie. Les barbariques sont encore plus barbares que jamais. Tant mieux! Et ils le seront encore plus en prenant du volume. Amplification des deux mondes. Merci, Seigneur Zed, j'aime regarder le monde de haut. Ça nous stimule. Prêt à combattre par la force de l'eau, de la lumière et de l'union. Pleine puissance. Par la force des barbares. On est invincible. On n'a peur de rien. Parce qu'on est les plus forts. Mon compagnon sera vengé. Oh, ça donne le tournis. Et on finit par plus savoir où ça atterrit. Pour les vaincre, il nous faut tous nos pouvoirs. Action! Hé, hey, l'étranger, j'ai une surprise pour toi. Mais là! Delphine! Yeah!
T'as raison. Ça t'a plu? Mais bouge pas. Je voudrais pas te rater. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Je te jure, par tous les bords sacrés d'Acuitar. Je le tiens, tu peux foncer. Elle est ferme. Hors de combat, action. Venez. Maintenant, l'avantage a changé de camp. Prêt. Jonction des forces. Action. Énergie. Énergie. Ya. 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 Par la force du Mégazord. Action. On s'est fait avoir, mon vieux. Oh, il a un drôle d'œil, ce type. Ça lève que... Je ne peux donc faire confiance à personne pour me débarrasser des Acuitariens. Un œil comme ça, c'est monstrueux. Oh, mais tu ne vois pas que tu bouches mon télescope avec ton crâne sans cervelle? J'ai peut-être pas de cervelle, mais au moins, j'ai pas épousé Ed. Il s'appelle Zed. Zed. Oh, ça devait arriver. Tu m'as repassé une de tes migraines. Qu'est-ce que ça donne? Le générateur est hors d'usage, on manque de temps pour en fabriquer un autre. Désolé, Ranger, vous n'avez plus le choix. Il vous faut rentrer chez vous. Mais nous ne pouvons partir, Zordon. Le Seigneur Zed va lancer un assaut, dont il sortira vainqueur. En restant, vous signez votre perte, et vous avez déjà pris suffisamment de risques pour nous. Zordon a raison. Il faut regagner votre planète. On trouvera bien un moyen de se défendre. Même au cours des heures les plus périlleuses, tu n'as jamais tenu compte de ta vie, mais de la nôtre. Tu es un véritable frère. Et pour moi, c'est un honneur de partager le pouvoir des Power Rangers avec toi et tes amis. Nous vous quittons, mais ce n'est pas définitif. Nous étudierons toutes mesures pour revenir. Car jamais il n'y eut une bataille devant laquelle on ait fui. Et jamais nous n'avons abandonné nos amis en péril. Sois prudent, Billy. Puisse le pouvoir te protéger. À bientôt, Zordon. Au revoir. Alpha. Adieu, Acuitarien. Aïe, 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 Zordon, qu'allons-nous devenir maintenant? C'est un générateur hydroatmosphérique de molécules qui analyse la composition de l'eau et la teneur en gaz de notre air afin de reconstituer une eau qui soit dans l'ensemble aussi pure que celle des Acuitariens. Je ne sais pas ce que c'est Billy l'inventeur.